Sur le nom de cet artiste que j'ai vu à Venise, qui avait fait la façade de ce palais, rappelez-moi. El Anetsue, voilà. C'est un D'accord. artiste africain, mais qui était en même temps professeur d'art conceptuel à New York. Et il y avait la famine dans les années 2003, quelque part dans son pays, au Ghana. Et il a dit, il faut que j'invente une œuvre d'art où je peux donner du travail à tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait en faisant faire ceci. Alors c'est un travail très écologique aussi. Il a dit, avec tout ce qu'on jette, avec toutes les capsules des bouteilles, il a inventé cette chose de faire, qui devait nouer, c'est avec des fils de cuivre. Et ça les a sauvés. Et alors c'est un magnifique travail. Et puis c'est sublime comme œuvre d'art. Et moi je l'ai connu dans les années 2003, tout au début qu'il faisait ça dans une exposition à Tokyo. Et on est devenus très amis, et comme ça il a fait pour nous, pour notre histoire Artembo à Venise, il a couvert toute la façade qui était sous, en échafaudage. Alors il a fait une œuvre de 40 mètres sur 20 mètres, mais à l'époque c'était encore bien payable. Maintenant, depuis lors, le British Museum a une œuvre, le Pompidou a une grande œuvre, le musée de Los Angeles, mais presque tous les tout grands musées du monde ont acquis une œuvre, et ses prix maintenant, c'est 5 à 10 fois plus que c'était il y a 6 ans. Vous avez eu... Ce qui vous aiguille dans le choix des artistes ou des œuvres, oui. c'est plutôt... Le concept total. Le concept total, parce que oui. Je suis quand même... J'ai l'impression que vous êtes fort sensible à la matière. Oui, oui, pour moi, mais c'est quand même ce qui est beyond the material, ce qui est derrière la matière, au fond, la matière qui dépasse, au fond. J'adore la matière, j'ai un respect profond pour la matière aussi. Mais la matière, au fond, l'artiste la transforme dans une chose beaucoup plus philosophique, avec un message beaucoup plus profond. Le catalogue, j'étais fort fascinée par votre catalogue, très épuré, toutes des ambiances comme ça, très essentielles, très zen aussi, dans le bon côté. Oui, parce que c'est malheureusement le mot zen, j'ose presque pas l'exprimer. C'est pour ça que j'ai peur aussi comme vous, parce que c'est une chose qu'on respire profondément. C'est un peu galvaudé. Et c'est devenu tellement à la mode, ce qui est un vrai danger. Mais on sent quand même cette profondeur, oui, c'est dont sûr. Vous disiez. Hein. C'est une chose qui me fascine depuis plus de 20 ans, c'est pas parce que c'est à la mode. C'est ça. Comment, ici c'est presque un cabinet de curiosité, vous cultivez toujours cette démarche par rapport à l'art ancien, à l'art d'aujourd'hui? Oui, toujours depuis mes débuts, j'ai aimé autant l'art ancien que l'art contemporain. Je trouve que c'est très complémentaire, c'est le plein et le vide. Je trouve dans l'art contemporain ce que je ne trouve pas dans l'art ancien. Mais je regarde l'art ancien avec un œil d'un amateur d'art contemporain. Je vois les espaces dans les tableaux anciens, je vois une autre sensibilité, une autre dimension. Et je trouve que tout art de grande qualité est hors du temps et appartient à tous les temps. Votre dernier coup de cœur, votre dernière... Il y en a beaucoup tout le temps. Mais le dernier en... En peintre, peut-être, c'est Chiraga. C'est comme l'œuvre que j'ai là-bas. Ah, voilà. C'est depuis 5 ans, comme si c'était pour moi Fontana. Il y a plus de 20 ans, à 21 ans, j'ai acheté mon premier Fontana parce que je croyais beaucoup dans ce concept de créer la troisième dimension, d'ouvrir la toile après la destruction de la guerre, tout est à plat. Il dit, on doit commencer à zéro. Et là, c'est lui qui était l'inventeur d'ouvrir la toile, de créer l'espace inconnu. Il dit, de ce vide, de ce néant, tout va renaître. Parce que maintenant, la science, en physique, on sait que c'est comme ça. Ça, c'est très important. Je trouve que ça m'a toujours fasciné. Ça m'a donné une dimension que je n'ai trouvée en rien d'autre. Et c'était ma passion. Alors, j'ai
beaucoup assisté à mes amis, il faut acheter Fontana, ce que j'ai fait. Malheureusement, maintenant, aujourd'hui, ça atteint des valeurs telles que c'est très difficile de trouver encore des vrais grands chefs d'œuvre. Vous n'avez pas de Fontana, vous regrettez? Si, j'en ai plusieurs en collection privée que je ne vendrai jamais, mais... Et j'en ai un ici, mais j'en ai d'autres aussi à vendre. Ouais. Et dans chez les jeunes artistes, qu'est-ce qui vous intéresse en art contemporain aujourd'hui? Est-ce que vous considérez que l'art contemporain est encore... c'est toujours des découvertes à faire. C'est pour cela que j'ai toujours les grandes expositions aussi, pour découvrir des jeunes artistes. Je vais toujours dans une exposition à un thème très précis. La prochaine exposition, c'est Tra, Age of Becoming. Tra, c'est ce qu'il y a entre les choses, c'est le vide encadré, c'est la tension invisible, mais qu'on sent, mais qu'on ne voit pas. C'est le vide qui est aussi important que le plein. C'est aussi l'idée du passage entre l'arche. Quand on passe l'arche, on est une autre personne que quand on passe à côté de l'arche. Comme on l'a cité interdite en Chine, une porte qui était couverte qu'une fois par an pour l'empereur. À Rome, au Vatican, il y a la porte sainte qui s'ouvre que toutes les 50 ans. Beaucoup de papes n'ont pas pu entrer. Vous savez, il y a la force du passage aussi, et la métamorphose du passage. C'est le thème de la prochaine exposition. C'est la transmission qui vous intéresse. Oui. Et le commissaire de l'expo? C'est moi. Ah, c'est vous? C'est moi avec l'aide de Rosa Martinez, et Daniela Ferretti et Francesco Poli. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la TFAF? C'est toujours la foire aujourd'hui la plus importante du monde. Et je pense que je peux le dire parce que nous faisons aussi la Biennale de Paris, on fait New York, je pense qu'on fait toutes les grandes foires depuis toujours. D'ailleurs, la TFAF, depuis toujours, je l'ai fait la toute première, quand on était très peu nombreux. Et c'est magnifique, c'est vraiment devenu la chose extraordinaire. Mais pour le marché. Pas un marché international. Et pour la qualité aussi. Et pour une sélection de qualité, c'est vraiment un musée, on peut acheter. C'est ça. Ok, merci. Voilà. Vous ne descendez plus à Venise? J'ai fait Tra, l'exposition sera à Venise. Ah, c'est à Venise. C'est dans le cadre de la Biennale. C'est toujours... Et maintenant, on ouvre la façade parce qu'on a restauré la façade. Et les fenêtres sont ouvertes. C'est ouvert à quelle période, la Biennale? À la Biennale, le 1er juin, avec toutes les ouvertures privées jusqu'au 3 au public. Comment faites-vous pour choisir vos commissaires? Parce que là, vous aviez Jean-Hubert Martin. Oui, Jean-Hubert Martin pour Art Tempo, oui. Comment faites-vous? C'est vous qui les... Oui. Ou c'est eux qui vous sollicitent? Non, c'est le contraire. Toute l'initiative, l'exposition vient de nous. D'accord. Et les frais qu'on paye et tout, c'est sûr. C'est la restauration du palais, c'est donc nous. Là, à Venise, c'est du mécénat que vous faites. C'est du mécénat. C'est aussi la restauration du palais et tout. Il y avait un étage qui était visitable. Et maintenant, on a restauré tout. On a restauré encore d'autres salles maintenant. Et le vernissage se fera le 1er juin. Le 1er juin. Ouais, mais le 3 juin, pour grand public, 1er juin, invitation de... Premier 1, 2 et 3, c'est sur invitation uniquement. D'accord. Et je vous donnerai une carte. Merci. C'est du 9. 22, 30, 32.